Les échos changent de forme. On aimerait avoir vos réactions par rapport à la nouvelle formule, la nouvelle maquette, mais aussi qu'est-ce que vous pensez en réalité des échos quotidiens qui deviennent désormais les inspirations échos. Je tiens tout d'abord à féliciter l'équipe dirigeante et tous les journalistes des échos sur le travail qu'ils ont fait pendant toutes ces trois dernières années pour informer sur la situation économique, pour donner les informations nécessaires aux opérateurs ou aux autorités concernant l'information. Mais je tiens à les féliciter particulièrement sur ce changement-là. Que ce soit le changement au niveau du titre du journal, les inspirations, vous savez, en politique, nous avons besoin des inspirations. Et donc, les inspirations, je suis sûr et certain que les échos vont nous inspirer davantage, vont inspirer les lecteurs, les opérateurs économiques. Je tiens à les féliciter. Bon courage et bonne réussite.